Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark. On est parti pour faire un truc moins impressionnant que taper un boss. Enfin, je vous dis clairement. On va aller tamer des loups et enfin un loup femelle de préférence. J'aurais dû faire une petite spyglass. Attendez, on retourne à la maison. On prend une spyglass. Ou je me fais ma spyglass. Je ne sais plus si je l'ai déjà. Et on retourne ensuite chercher un loup. Est-ce qu'elle pourrait pas rentrer toute seule dedans? Ça m'arrangerait, franchement. Mais genre, si je la tire avec le crapaud, attends. Mais s'il y a un truc. Crapaud! Ah non, je vais tomber. Le crapaud, le loup aussi. Laisse le crapaud. Il va aller dans l'eau. Ça m'agace. Est-ce que tu peux essayer de monter, crapaud? Je sais pas si on va y arriver, mais... Non. Oh, faut que je repasse tout le chemin. Voilà. Alors, qui c'est qui a de la viande? Toi, t'en as, mais bon, voilà. On va chercher de la prime. Ou si j'ai du mouton, je crois pas que j'ai des moutons. Je crois que j'ai de la prime. Est-ce que je peux remettre là le... Oui. Oh. Ok, bah du coup on ira faire ça la prochaine fois. Nos deux artefacts. En fait, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Et j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai de faire ma première fois de boss, ça va être trop cool, je pense. Ma petite louve. Tiens. Mange ça. Nous, on va chercher un ravageur. Avec Maléfique. Pourquoi? Elle est moins rapide, mais elle a son charme aussi. Et on va mettre du foie. Voilà. On va essayer de trouver des ravageurs. J'en avais vu la dernière fois. Les dernières fois, il y a un moment. Parce que moi, je tourne vachement à l'avance. Toutes les vidéos de Ark Iso parce que j'ai très envie de les tourner en général et du coup je pense que j'ai beaucoup d'avance. Oh, j'ai réussi. Mais par contre ça peut sauter au-dessus. On est d'accord. Alors. Alors, ça va prendre un peu plus de temps que le loup, je pense.
Non, il passe pas par la porte. Ok. Tu peux me montrer ta belle tête? Ok. Non mais je me suis déjà fait avoir plusieurs fois un bar. Voilà. T'en es à ouf. Un peu plus de la moitié. Inconscient. Ok. T'aurais pas de la viande, chérie. Pas chérie. Maléfique. Maléfique, je... Range ça. Il n'y aurait pas de la viande prime là-dedans. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas de viande prime dans les machins là. Où est-ce qu'il y a de la prime? Je pourrais avoir facilement. Très bien. Si je m'attendais à ça. Très bien. Voilà. Comment dire? Aïe. Donc quelque chose dans le genre. Du coup, Forso se trouve maléfique et monstre. Tandis que je me balade à poil. Du coup, t'as la viande, excuse-moi. Merci. Hop, on reste ravie quand même. Ah bah. Merci madame. 200, cool. Ah, c'est des vrais murs. Génial. Comment dire, on va refaire un mur. Refaire un mur en 3 minutes avec une pioche. Comment dire, j'ai peur qu'il sorte. Encore une ou deux flèches. Une. Voilà. J'ai repris ta viande, toi. Oui. Du coup, je le nourris et je vais ramener Madame Wyvern, enfin Madame Ravageur, et moi je vous retrouve une fois que tout le monde est ramené à la maison. Vous préparez à faire un bébé mentalement, s'il vous plaît. Et du coup, là, je vais en appeler un gargouille. Parce que eux, j'aime bien les appeler et les nommer. C'est la femelle ou le mâle? Là, c'est le mâle. Bah du coup, non, tu te tâches. Le mâle, je vais l'appeler Satan, parce que voilà, dédicace. Hop, on va les détacher, les dessiffler. Et elle, ce sera Gargouille, parce que j'ai toujours un ravageur qui s'appelle Gargouille. Enfin, en tout cas, là où il y a des ravageurs.
Parce que maintenant, je le trouve super pratique, les ravageurs. Et du coup, on va lancer la repro. Hop, on les met à la promenade. Ce qu'il y a bien avec le SP, c'est que là, ils peuvent pas bouger. Bon, le loup, en vrai, j'ai envie de le nommer avant qu'il fasse l'étape D pour me retrouver. Est-ce que je vais avoir un prénom? Je ne sais pas. On va attendre juste quelques secondes, juste voir combien de temps ça va prendre un pro de ravageur. Et nous, on n'a plus qu'à attendre. De façon attendre. Ce que je propose, c'est qu'on prépare un coin où mettre l'armée de loups et tout ça. Du coup, on va prendre Monsieur Castor. On va lui mettre du bois. Hop. Du bois. La fibre. Hop, on met le bois là. Le branchage aussi, il fallera. Hop. Du coup, je pourrais construire sur moi, donc voilà. Et je vais poser tout ce que j'ai aussi en trop dans mes affaires. Je vais préparer à réceptionner le petit. Et j'ai des prénoms pour la miss là. Non, pas désactiver parce que vous allez en faire plusieurs. Créature, changer de nom. Lexi. Oula, je le crie comme un caca. Lexi, voilà. Voilà. Lexi, ça lui va bien en plus. Du coup, toi, t'en es où? 16 secondes. J'irai à la limite faire un coin après. Alors, attention, réception. Et c'est là que le bébé il part en oreille. Voilà, tout à fait comme ça. Oh, regardez, il est tout marron comme son papa. T'aurais pas à manger sur toi étant donné que je t'ai pris à un moment ou un autre de ta vie. Et que j'ai tendance à ne pas ranger les affaires. Alors du coup, niveau 221, d'accord. Bah tu le laisses grandir tranquillement. Attends, t'es en promenade. Bah du coup, bah, je te laisse grandir tranquillement. T'es un petit mal. Et bah, je laisse les gens dans les commentaires de nommer. Et toi, 5 secondes. Ok. Un petit loup. Ah, il s'enfuit. Alors, toi, t'es une. Un. Une. Oh, je t'appelais Zedou. Ok. On va juste retirer ton nom. Et du coup, comme j'avais deux prénoms pour les femelles. La femelle, et ben on va t'appeler Olin. Voilà, et tu feras potentiellement un bébé avec ton père parce que comme ça on aura pas trop de soucis. Comment ça se fait que tu es que niveau 151 toi? Bon bah, tu restes avec ton frère par défaut. Le but c'est de vraiment faire un grand bâtiment pour les ranger tous. Faire un bâtiment boss. Un bâtiment ou un petit garage boss, comme vous voulez. On va voir. Enfin, comme je veux. Parce que du coup, je fais. Et puis vous pouvez pas trop dire oui ou non. Donc voilà. C'est un peu con. Hop. Comme ça. Et là, on revient. Voilà. Du coup, on va remplir ça. Et j'ai fait trop de mouvements. Je pourrais en refaire d'autres sur le côté. Hein.
Hop, on va faire plus gros large que possible. Encore deux. Ce sera parfait. Voilà. Du coup, on rangera tous les bébés ici. On va juste que je fasse une fondation. Reprends du bois. On va mettre une porte. J'aime bien les portes. J'ai pas de prise de pierre, donc je peux pas faire de porte. Et j'ai pas pris de pierre. Viens, retourne. On y retourne. Hop, on va prendre le bois, la pierre, pardon. Le bois, le besoin de bois, oui. Bah là, il n'y a plus de pierre. J'adore refaire de la pierre un peu quand même. Je sais pas si mon ankylo, il y en a. Wow. Ah, ils sont déjà en train de refaire un petit, c'est cool. Mon ankylo, il est où? Il est où l'ankylo? Je sais que j'en ai un. Il est... il est là. Il est bien là. Ah bah non, bon, je suis pas de pierre sur lui non plus. Alors, où qu'ils en sont, 2 minutes. Ok. Bah, je vais juste faire un aller-retour alors. Heureusement que les bêtes, elles sont aussi. Enfin, heureusement. Il y a des moments où, heureusement, elles sont aussi rapides. D'autres, pas trop. Mais enfin, on s'y habitue. Je peux pas faire la porte là. Est-ce que je peux faire la porte? Je peux faire une porte. C'est parfait. Hop. Et on va reprendre du bois. Alors, 3 secondes pour gargouille. D'accord, gargouille, ça va aller, gargouille. C'est marrant parce que je pensais pas que c'était par rapport à l'endurance qui faisait. Caca, j'ai découvert grâce à cette partie. Et elle est coincée à 3 secondes. Génial! Génial! Ah, ça y est. Ah, c'est un fille. C'est un fille. Une fille! C'est un fille! Oui! C'est une petite fille. Désactivée. Alors, toi, va falloir te nommer. Et toi aussi, je remarque. Je vais t'appeler Akaniar. Pourquoi je t'ai fait activer avec ta promenade? C'est pas ce que je voulais faire. Créature, chanter de nom, Agniar. Par contre. Ah! Loup! Je croyais que c'était la petite qui partait, mais non, c'était un loup. Ah bah c'est une autre petite femelle. J'ai eu un truc bouger, c'est peut-être la queue de désactiver la promenade. Hop, tu prends un peu de viande et du coup, on va t'appeler comment toi? Madame Wyvern, on va la foutre là. On va aller boire. Et Monsieur Wyvern, lequel on prend? L'orange. T'es au niveau? Ouais. Au final, c'est toi qui finis plus au niveau, donc voilà. Je pense qu'il y a des niveaux sur l'autre aussi, mais je préfère le orange et le rouge ensemble. Hop, on va attacher. Hop. Activer la promenade. Activer la promenade. Est-ce que ça marche parce que vous êtes quand même relativement pas trop proche? Oui, ça marche. Alors, on a une adulte en plus. Ici, hop, on va la faire s'accoupler aussi.
Hop, voilà. Est-ce que je t'ai attaché au moins? Oui, c'est bon. Mon cerveau, il a fait un temps. Du coup, bah, Agnar, on sera faire des bébés avec elle. Et toi, tu feras des bébés avec ton père aussi. Ah merde, peut-être que j'ai supprimé votre psy qui est en train d'éclore là-bas. Il va naître, attention. Je pense que ça va être aussi rapide que les autres hivernes. Pas trop de doute. Et je peux. Oh, elle est trop jolie. Oh. Ah ah ah, elle me coince par contre. Bien pitié. Bien bébé. Bien bébé d'amour. Il nous en fallait un quatrième forcément. Allez, viens. Voilà. Pendant que les bousillés font leur vie. Alors, qu'est-ce que tu es comme sexe? Un autre mâle, ok. Alors, on va juste te retirer ta promenade avant de dire que tu dois plus me suivre. Parce que sinon, ça va être horrible. T'es déjà en train de manger dans la... Ouais, c'est super rapide. Voilà, les grandes. Bon, on va te poser avec les autres. Voilà. Toi, on va t'appeler Fire. Voilà. Toute originalité est perdue. Je n'ai même pas essayé de les faire cracher, ne serait-ce qu'un peu, d'ailleurs. Attends, on va regarder ça, quand même. En espérant ne tuer personne. Ah oh, bah, c'est du feu. Ok. Il y a un bébé... Ah, un bébé en fuite. L'un des bébés en fuite, justement. Ah bah, il y a un autre bébé en fuite, là. Ah voilà, je les ai retrouvés. C'était caché dans ta table, les muvernes. Viens des paris, ici, les petits. Hop. On va juste voir quel sexe vous avez. Toi, t'as pas envie de bouger. Ok. Désactiver NH. Oups. T'es coincé dans maman muverne? Pardon. On va vous mettre là. Du coup, lui, c'est un petit mâle. Et lui aussi. Et je pense que c'était des jumeaux. Et toi, t'es un petit mâle aussi. Bah voilà. Hop, on va faire désactiver la promenade. Bon, bah voilà. Moi, je vais continuer à faire des petits de mon côté. Moi, mais on va s'arrêter là. Je pense que l'épisode, il va être très très long. Un autre petit mal. Sinon, l'épisode va être très très long et ça, pas qu'en soit ça me dérange, mais je pense que vous regarderez pas jusqu'à la fin si l'épisode est trop long. Arrête de te promener. Merci. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour faire un boss. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye !